Hey! Jour 67 aujourd'hui. Je suis parti il y a un peu plus de 2 heures. Il a fait très froid aujourd'hui, en fait cette nuit. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. Mais la dernière fois que j'ai eu des réseaux, ils avaient prévu de la pluie ce matin et il n'y en a pas eu. Donc ce qui fait que c'est cool. Enfin, il y en a eu un peu, mais j'avais déjà rangé la tente, donc ça va, ça m'arrange. Et là aujourd'hui, ben écoute, ça va être ça. Hein. Ça va être ça pendant une grosse partie de la journée. Et sur la fin, j'ai une ascension à faire. Genre et tout, une ascension, quoi. Ouais, sur la fin, je monte à 900. Mais en fait, je dis sur la fin, mais en fait, je sais pas encore si je vais redescendre. Parce que ça fait beaucoup de kilomètres si je redescends. Pour aller au village, là, dont je t'ai parlé hier. Là, je suis pas motivé parce que quand j'ai regardé la carte, j'ai vu du vert partout, je vois rien. Le lac, il est juste encore là, parce qu'il est énorme ce lac. Ouais. En plus, je me suis trompé de chemin, donc ça me rallonge de 3 km. Mais c'est pas grave. Donc, on va voir si je filme ou pas. Hein, parce que c'est pour de filmer tout ça, là, c'est. On sait pas. J'ai mangé des tutti-frutti. C'est des trucs que je sais même pas si j'ai déjà mangé ça, même quand j'étais enfant. Ce qui est marrant, c'est que c'est écrit sous le paquet et tout, fruits naturels, je sais pas quoi, goût de fruits naturels, mais je me dis, mais comment tu peux avoir un goût naturel avec un truc gélatineux comme ça? Je sais pas. Et honnêtement, on s'en tape, non? Enfin bref, sur ce, bim. Hey! Journée est finie. Bientôt 21 h, je suis arrivé ici, le petit tipi en bois là. Il y a plus d'une demi-heure, mais j'étais en train d'essayer de voir comment faire pour mettre mon matelas. Parce que quand je suis arrivé, il n'y avait pas ces planches-là ici, là. Il n'y avait que celle-là qui était tout poussée par là. Et dans ce sens-là, il est trop long comme tu peux le voir. Je vais toucher les murs. Et je me suis dit, tiens, ça se trouve ce truc-là, là. C'est fait pour mettre dans ce sens pour que tu puisses dormir tranquille. Et donc ça a l'air d'être ça. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais j'ai tourné les planches. Enfin, j'en ai rajouté, elles étaient par terre, j'en ai rajouté. Et puis voilà. Sinon, aujourd'hui j'en ai fait 29. J'étais pas dedans. C'était super beau, mais j'étais pas dedans. Super sentier, super paysage. Il n'a pas plu, contrairement à ce que j'avais vu. Hier dans la journée, à un moment donné où j'avais du réseau, qui devait pleuvoir aujourd'hui. Il n'a pas plu ni ce matin à 6 h, ni dans la journée, rien. Il y a eu des nuages qui sont passés gris, qui sont remontés au sud quand j'avais déjà passé le refuge là, de la STF. J'ai galéré pour avancer parce que quand la tête elle veut pas. Voilà. Puis je suis fatigué aussi. Franchement, je suis fatigué. J'en avais besoin de ce jour-off hier. Et je suis fatigué, tu vois. Et là, je pense pas pouvoir le prendre avant dimanche.
Bref, je suis fatigué, quoi, tu vois. Je suis vraiment fatigué de marcher comme ça tous les jours. Ça, là, c'était, je sais même pas, 14, 15e jour consécutif, j'en sais rien. Mais j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai fait au moins 400 bornes depuis mon dernier jour de repos, si c'est pas plus. J'en ai marre. Et j'ai vraiment envie de m'arrêter un moment, tu vois. Sauf que là, en ce moment, je peux pas. Parce que je peux pas le faire dans des bonnes conditions. Parce qu'il n'y a aucun hôtel à côté de là où je suis. Il n'y a rien. Je suis obligé de monter, 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 monter. Et dimanche, je peux éventuellement arriver dans une ville où je pourrais avoir quelque chose, tu vois. Donc demain, grosse journée encore, malheureusement, entre guillemets. Enfin, normalement, ça serait une grosse journée, sauf si je change d'avis en cours de route, ce qui est possible. Là, il y a une montagne juste derrière, là, sous le chemin. Donc demain matin, je dois passer au-dessus de ça. Elle fait à peu près, enfin, moi, je monte vers 1100, 1050, 1100, bref. Là, je dois être à 900 mètres, un truc du genre. Donc, non, quand même, moi, je crois que je suis à 850. Mais bref, je crois que je passe à côté du sommet, en fait. Je passe pas dessus. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a très peu de montagnes que tu peux aller au sommet depuis que j'ai commencé, en fait. Il n'y en a qu'une seule que j'ai vue où tu avais un sentier pour y aller, mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a aucun accès pour y aller. Mais bref, donc je monte là-dessus, je redescends vers le petit village qui est au bord de la nationale. Je traverse la nationale, je remonte encore à 1000 mètres. Et de là, je dois aller à l'est pour aller au village où il y a le supermarché. Donc je redescends. Et après le supermarché, je remonte au nord-ouest. Encore à 1000 mètres. Et tout ça pour une quarantaine de kilomètres. Donc c'est pour ça que je te dis que normalement, c'est ça. Mais on verra comment je me réveille. Hein. Comment je me réveille, comment je me sens quand je me réveille. On verra si je le fais ou pas dans la journée, quoi. Donc on verra. Donc voilà. Donc journée nickel, comme d'hab. Ces derniers temps, en tout cas, même si j'étais pas en état de profiter, je sais que je suis content d'avoir vu ce que j'ai vu, tu vois. C'était vraiment super beau, surtout la plage là de sable blanc. Là, je m'attendais pas à trouver ça là, tu vois. J'arrive, je vois ça, je me dis, mais on est où là? Ouais, c'était non, c'était cool, franchement, c'était cool, c'était vraiment cool. Dommage que j'avais 30 km à faire aujourd'hui, il fallait pas avoir 30 km à faire du tout, tu vois. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, donc là je vais faire ma vie, dormir et puis on verra demain quoi. Donc sur ce, bim!